Pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas l'objectif qui est par exemple de devenir riche? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et ça fait plaisir quand même, j'attends un petit moment que tu le fasses. Donc les gars, on va voir ensemble dans cette vidéo les mots qu'il ne faut jamais dire si jamais tu veux devenir riche. Hein, les mots qu'il faut jamais dire, ok? Donc je m'appelle Jonathan Hachi. Lisez cette chaîne pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Évry dans le 91, aux pyramides. J'ai fait un BEP électrotechnique que j'ai redoublé. Oui monsieur, redoublé. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Et pourtant, on a réussi à créer un business en ligne, mon ami. On a créé un business en ligne, d'accord, qui nous a rapporté 2000 euros par mois, ok? Et 20 000 euros dès le lancement de ce premier business en ligne qui était sur le saxophone. Donc les gars, quand j'entends des trucs, oui, est-ce que c'est possible? Oui, je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Les gars, c'est à un moment donné, ou vous avez des couronnes, vous assumez de vouloir être un vrai leader, ou vous commencez à faire le petit leader de votre quartier ou chez vous, alors que vous ne faites rien. Okay, à un moment donné, les gars, il faut passer à l'action. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'accompagne les déterminés, tu as capté, hein? Nous, on est déterminés ou pas. C'est ou tu fais partie de la team déterminée ou tu fais partie des autres. Okay, donc moi j'accompagne les déterminés qui veulent créer leur business en ligne, okay, enfin je les coach directement, je te coach directement pour pouvoir créer ton business de zéro, que tu n'aies pas d'idée business, que tu aies des idées business, que tu aies déjà une expertise. Alors si tu as une expertise ou tu es coach consultant, bon, alors là je te fais exploser direct, tu prends moins x2, x3 sur ton business. Et je te coach exactement pour que tu puisses être libre géographiquement, être indépendant financièrement rapidement. Okay, donc ça c'est soit à travers le programme Successful en ligne 2.0, oui on dit c'est moitié anglais, moitié français. On fait ce qu'on... De toute façon, je fais ce que je veux. Donc, si tu veux aller plus loin, bah, tu as tout en description. Pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas l'objectif qui est, par exemple, de devenir riche? Pourquoi ils ne deviennent pas millionnaires? Ok, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas le bon vocabulaire. Tu vas dire, ah, quoi, c'est aussi simple que ça, c'est ça? J'ai juste à avoir le bon vocabulaire. Eh ben oui, excuse-moi. Excuse-moi, ben oui. Oui, il suffit juste que tu aies le bon vocabulaire parce que les mots que tu dis montrent ce que tu penses. Okay? Et ce que tu penses, tu vas le penser avec la connaissance que tu as engrangée. Et si jamais tu as la bonne connaissance, eh ben forcément, ça veut dire que tu te formes, que tu te fais coacher. Et donc, du coup, tu auras pensée égale action, action égale habitude, habitude égale résultat dans ta vie. Okay? Tous les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés aux habitudes que tu as aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la folie de croire que tu vas pouvoir avoir un nouveau résultat en faisant tous les jours la même chose. D'accord ou pas? Yes ou non? Oui, je suis bilingue. Non, c'est pas vrai, je suis pas bilingue encore. Mais bientôt, cousin, on travaille dur. On est en Floride d'ailleurs, hein, les gars. Bon, tu peux pas le voir là. En plus, il pleut là. Donc, on vient jusqu'en Floride, ça pleut quoi. C'est comment? Premier mot à ne jamais dire, c'est j'espère. J'espère que je vais créer mon business en ligne. J'espère que je vais devenir riche. J'espère que j'aurai plus d'argent. Ouais, j'espère. J'espère que mon business va fonctionner. J'espère avoir des clients. J'espère que je suis sur le bon marché. Ok, donc tous les gens qui espèrent, à partir du moment où tu espères, non, ça fonctionne pas. Okay, arrête d'espérer, on n'espère pas, on a. Okay, si tu es déterminé, tu ne dis pas j'espère que non, il n'y a pas d'espoir. Moi, je ne suis pas en train d'espérer, j'espère pas. Okay, si jamais tu dis j'espère que j'aurai un beau corps, ça veut dire quoi? Si tu espères, ça veut dire que c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Comment? Tu sais, tu auras ça et tu feras ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Quand tu dis j'espère, c'est que tu te laisses une marge de bon, je ne me mettrai pas à fond. Tu vois, j'espère que j'arrêterai de fumer, par exemple. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Okay, donc, tout, déjà, il faut que tu arrêtes de dire j'espère. Il faut que tu le remplaces par je vais faire. J'aurai des clients, je vais créer mon business en ligne. Ok, ça va pas se faire tout seul. Deuxième mot à ne jamais dire, c'est je ne peux pas. Ah ouais, tu peux pas? Comment ça tu peux pas? Tu vois, je ne peux pas être champion. Je peux pas y arriver. Je peux pas être le numéro un sur mon marché. Je peux pas lancer ma chaîne YouTube. Tu vois. Bon, après, je t'enlève la suite de la phrase, mais je peux pas lancer ma chaîne YouTube parce que je suis pas encore prêt. Je peux pas lancer mon business en ligne parce que j'ai pas acheté une caméra. Je peux pas lancer mon business en ligne parce que j'ai pas assez de, je pense que j'ai pas assez d'expertise. Je peux pas. Hein, ça, faut que tu enlèves ce mot-là. Tu peux tout faire en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui peut t'empêcher quoi que ce soit, à part toi. Mais tu peux tout faire. Donc ça, il faut que tu le remplaces ça. Je peux le faire. Après, c'est juste où tu choisis de le faire ou pas. Moi, je sais que je peux tout faire. Maintenant, après, ça peut rentrer dans un autre challenge qui est de... Bah, du coup, comme tu sais que tu peux tout faire, bah, tu as envie de tout faire et tu t'éparpilles. Donc ça, c'est encore un autre délire. Parce qu'après, il faut rester focus. Mais si lui, il l'a fait, tu peux le faire aussi. Il faut arrêter ça de se rabaisser par rapport aux gens. C'est quoi ce délire? Si jamais il l'a fait, tu peux le faire aussi. C'est tout. Fin. Troisième mot à ne jamais dire, ah, je crois que c'est mon préféré, cela, c'est
Je vais essayer. On en parle? On en parle, les gars, de ça? Je vais essayer? C'est comment? Tu essaies d'être millionnaire, toi? T'essayes. Tu essaies de créer ton business en ligne? T'as déjà essayé d'aller à la salle de sport aussi? T'essayes aussi d'avoir une chaîne YouTube? T'essayes d'avoir un bon couple? T'essayes de bien manger? Mon gars, à ce rythme-là, tu vas essayer toute ta vie d'essayer. Voilà ce qui va se passer et il va rien se passer. Voilà exactement. Tous les gens qui veulent essayer, ils vont rien faire du tout. Ok? Donc, il n'y a pas de j'essaye, je fais. Ok? Tu remplaces le mot j'essaye par je vais faire. Ok? Parce que quand tu essayes, tu fais rien en fait. Tu fais pas en fait. Quand tu dis je vais essayer de lancer ma chaîne YouTube, bah non, c'est ou tu le fais ou tu le fais pas. Il n'y a pas d'entre les deux en fait. C'est tu fais ou tu fais pas. Donc, tu dis je fais pas ou tu dis je fais. Mais il n'y a pas de j'essaye. Non, tu fais. C'est tout. Et ça, c'est une grosse erreur que les gars ils disent « Ah, je vais essayer !» Comment ça, tu vas essayer? Non, tu vas le faire. Voilà, c'est tout. Tu t'engages à le faire et tu le fais, quoi qu'il arrive. Parce qu'essayer, ça veut dire quoi? Si je rencontre un problème, j'arrête. Le moins de difficulté, j'arrête. Et au moins, j'aurais dit « J'ai essayé. » Mais c'est... que tu essayes ou pas, c'est nul. C'est genre, autant rien faire. Ok? Donc, fais et arrête d'essayer. Quatrième mot qu'il ne faut jamais dire si jamais tu veux devenir riche, c'est c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Ah ouais? Comment ça? C'est toi qui décides des limites, quoi. C'est pas possible. Alors, Elon Musk, lui, il va aller sur Mars. Il envoie des fusées. Les fusées décollent comme ça. Après, elles reviennent comme ça. Hein, elles reviennent normales comme ça. OK? Hein, les gars, ils sont partis sur la Lune. Mais toi, c'est pas possible de lancer un business en ligne. C'est comment? Ou c'est pas possible de, je sais pas qu'est-ce que les gens disent. Mais pour eux, c'est pas possible, quoi. Les gens vont sur la Lune. L'autre, il va aller sur Mars, mais nous, les petits trucs basiques, c'est pas possible. Donc ça, c'est normal, c'est que si jamais je dis c'est pas possible, c'est sûr que ça va jamais fonctionner. Ça, c'est clair et net. Tout est possible, en fait. Si tu y crois, si tu peux le croire, tu peux le concevoir, c'est possible. Après, c'est à toi de voir, est-ce que tu peux, est-ce que c'est un projet qui t'anime pour pouvoir aller jusqu'au bout, hein, parce que ça peut être des projets d'une vie, par exemple. Comme Elon Musk, c'est même pas un projet d'une vie d'aller sur Mars, ça va dépasser sa vie. Donc c'est à toi de voir, c'est tout. Mais tout est possible. Et cinquième mot à cela, c'est un classique. Tu l'as déjà entendu. C'est ça serait si jamais c'était aussi facile. Mince. Je me rappelle, j'avais parlé de ça. Je me rappelle, j'avais déjà une daronne à l'ancienne. Ouais, j'ai acheté un appartement et tout. Le loyer rembourse le crédit. Et elle m'a répondu, ça serait si jamais c'était aussi facile. Après, tu vois, ça t'énerve, tu vois. Tu dis, mais attends, mais comment ça? C'est quoi cette phrase? Bah oui, je l'ai fait. C'est business en ligne, c'est pareil. Ouais, j'ai généré 2 000 euros, ça serait si jamais c'était aussi facile. Mais comment ça serait? Tu sais même pas quoi dire. Après, ça t'énerve en plus. Tu dis, bah, t'essaies de justifier. Mais oui, mais c'est parce que Nanani, tu sais, limite, t'expliques tout, quoi. Toutes les étapes, bah oui, mais c'est après, voilà, Nanani, tu développes une communauté, personal branding, et après, tu vends par rapport aux besoins des gens, et du coup, machin. Ah, ça serait si jamais c'était aussi facile. Bah non, bah, ça se sait chez les riches, ouais. Tous les riches savent. Mais chez les pauvres, non, oui, c'est sûr que ça se sait pas, non. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'ils n'acceptent pas la vérité ou tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas la connaissance. Et même quand on leur présente de la connaissance, leur montrer, regarde, ça peut fonctionner, et bien en plus, ils n'y croient pas. On fait comment? Donc, arrête de dire ça serait si c'était aussi facile. Teste et tu verras que déjà, premièrement, il n'y a pas une question de facilité. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Ça veut dire, devenir riche, c'est simple. C'est-à-dire, ce n'est pas des calculs de théorème. Hein. Ce n'est pas un truc de maths à comprendre, hein, à acquérir. Hein. OK, là, on n'est pas là. On n'a pas besoin de faire de maths sup pour pouvoir comprendre les principes, pour pouvoir devenir riche. C'est super simple. Maintenant, est-ce que c'est facile? Ah non, c'est pas facile. Parce que c'est beaucoup dans la tête. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à travailler plus que les autres? Est-ce que tu es prêt à gérer ton argent mieux que les autres? Enfin, comme un riche plutôt, à gérer ton argent comme un riche? Ouais, ça, c'est pas facile. Donc du coup, la phrase, pour revenir à la phrase, ne dis plus jamais ça se saurait si c'était aussi facile. Et dès que tu entends un gars dire ça, dis-toi qu'il lui, il est cuit d'ailleurs. Si ça se saurait si c'était aussi facile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux et que tu penses que ça se saurait si jamais c'était aussi facile. Ok. Donc sinon, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que sûrement tu es intéressé pour créer ton business en ligne et pouvoir être libre géographiquement, être indépendant financièrement. Et même si tu connais rien à Internet et tu n'as pas d'idée business, je te partage de façon des idées business et je te montre exactement comment commencer en partant de zéro, même si tu es débutant. Tu as la formation offerte dans le commentaire épinglé où tu peux accéder à cette formation offerte pour créer ton business en ligne. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, par contre, toi, va plutôt sur la masterclass, okay, où je te montre exactement comment générer 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Enfin, comment mes coachés ont fait pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Okay, ils ont travaillé, hein, ce n'est pas fait magiquement. Mais au moins, tu as toutes les stratégies et tu pourras les appliquer pour ton business. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.